C'est le retour. Toujours dans cette tenue. Alors, voyons voir ce qu'il y a ici. Ils veulent tous parler. Ah, on va aller voir Citara. Oh oui. Allez go. Voyons voir ce qu'elle va nous dire. Voyons voir ce qu'elle va nous dire. New Dawn cherche vraiment à se battre avec nous. Ils ont banni la vidéo de recrutement de tous les sites communautaires et ils menacent de faire un procès à qui osera la poster. Ça va nous coûter des followers, cette histoire. Anticonstitutionnel. C'est pas bien. Encore pire que pas bien, c'est... c'est une déclaration de guerre. On me censure pas, moi. New Dawn, c'est une grosse arnaque. C'est des bourges. Ils balancent leur cash dans une pyramide d'élitistes à la con. On a un bon coup à jouer, là. Personne prendra leur défense, sauf peut-être les mecs qui sont déjà membres. T'inquiète. On a tellement la bouillave, cette église de faux cul. Oh oui. C'est quoi, bouillave? C'est quand un papa et une maman s'aiment très fort, Josh. Hein? Oh! Ils aiment pas qu'on utilise l'image de Jimmy Siska, leur guignol médiatique. Alors on va commencer par lui. C'est leur porte-parole le plus célèbre. Ah mais c'est Jimmy Siska quand même. Écoute, quand j'étais petit, j'avais les lunettes Siska, le blouson Siska. Je connaissais toutes ses répliques par cœur dans Mission Danger. Putain, moi aussi! Même que j'ai toujours le sac à dos. Classe. Tout neuf en plus. Classe. Donc, pas Siska, ok? N'importe qui. Ouais, mais ouais, pas ouais. Lui. Il doit bien y avoir un autre moyen, non? Oh, sérieux. Il est en ville pour le tournage de Cyber Driver. Du coup, peut-être qu'on pourrait aller lui parler. Histoire de bousiller sa relation avec New Dawn. Comme ça, votre Jimmy, là, il redeviendrait un mec cool. Eh, hey, je pourrais reporter mon t-shirt Siska sans me taper la honte. Attends, mais bouillave, c'est transitif comme verbe? Je peux dire, ma mère, elle a été bouillavée? Oh non. Ok, on se concentre sur Siska. New Dawn garde des dossiers pour faire chanter toutes leurs célébrités, pas vrai? Alors on va fouiller le centre local, on s'infiltre et on retrouve le sien. Tout le monde est d'accord? Eh, hey, d'accord. Je vais prévenir les gens et je vous y retrouve. C'est parti pour la bouillave. T'as tout compris. Bouillave. Bouillave. Oula. Depuis trop longtemps, les prédateurs ont persécuté les faibles sous le couvert de la religion. L'église de New Dawn est une vaste arnaque. Votre rang est lié à votre contribution financière. Elle achète votre loyauté via chantage et terreur. Ils se croient sincèrement intouchables. Mais tout ça va changer. TedSec va lever le voile sur les véritables intentions de New Dawn. Vous pouvez nous aider. Mettez un masque et manifestez. Faites savoir à leurs dirigeants ce que vous pensez d'eux sur Internet. Rejoignez-nous dans la transmission de notre message. Plus jamais TedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Ouh! Oh là là, mon gars, c'était rapide! C'était rapide! Bon, retrouvez Citara à la manifestation. Ok, let's go. J'y vais de ce pas, cher Amish. Let's fucking go. Oh, yeah. Allez, tourne. Tourne la caméra. Voilà. Alors, et une moto là-bas. Oh, je veux une moto. C'est trop cool les motos. Alors. Non, c'est pas ça. C'est là. Hey, go! Ah là, les petites rues de San Francisco, au calme et tout. Ah, 800 mètres. 700 mètres. 800 mètres. Ça va vite. Oh, tous les voies de bus. On roule dans les voies de bus.
On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On est plus très loin. Ah voilà, regardez-moi ça. T'inquiète, t'inquiète. Oula. Tu t'es pris la... Tu t'es mis la tête dans le mur, toi. Allez, on commence la mission maintenant. Achetez l'illumination, vous dormirez sur des cartons. Achetez l'illumination, vous dormirez sur des cartons. Ils sont là pour votre pognon. Ça te va comme diversion? Ouais. Bon, t'essayes d'entrer, tu jettes un œil ou... Yep, j'ai prévu mes habits du dimanche. Cool. Achetez l'illumination, vous dormirez sur des cartons. Oui. Les Illuminati! Il y en a beaucoup! Je suis en route. Je vais voir ce que je peux trouver sur Siska. Ah. Si ces enfants veulent la guerre, ils vont la voir. Je veux que tu trouves tout ce qui paraît louche. Si on veut gagner des followers, va falloir qu'on mette le doigt sur des trucs bien dégueulasses. Pourquoi on n'en arrange pas, plutôt? Si on se fait choper à mentir, DeadSec va perdre toute crédibilité. Oula! Vous en faites pas, s'ils ont chié au lit, je retrouverai les draps sales. Et on remercie Marcus pour sa super métaphore. C'est cadeau, que du bonheur. Alors, la petite moto de roues des familles. Il va doucement, hein. Ça monte les marches, ce truc. Oh merde! Fuck! Allez. Allez. Let's fucking go. Voilà, ok. Nous admirons cette vue magnifique. Mais c'est pas ici ? Ah, ils sont tous... Oh là là, oh mais what? Oh, je me suis fait mitrailler la gueule. En fait, je pense qu'il met trop de temps, en fait. Il met vachement de temps à rentrer, en fait. Je suis en route. Comment dire, je vais voir ce que je peux trouver sur Siska. N'importe quoi. Si ces enfoirés veulent la guerre, ils vont la voir. Ah, étrangler les mecs. Tout ce qui paraît louche. Si on veut gagner des followers, va falloir qu'on mette le doigt sur des trucs bien dégueulasses. Pourquoi on en arrange pas, plutôt? Si on se fait choper à mentir, DeadSec va perdre toute crédibilité. Vous en faites pas, s'ils ont chié au lit, je retrouverai les draps sales. Et on remercie Marcus pour sa super métaphore. C'est cadeau, que du bonheur. Oh, mais... Mais what? Oh, mais il s'est trompé de mec! Putain, ils étaient en train de parler. Je vais sortir mon flingue et je vais tous les buter. Ah, c'est pas cool! Je suis en route. Je vais voir ce que je peux trouver sur Siska. Si ces enfoirés veulent la guerre, ils vont la voir. Je veux que tu trouves tout ce qui paraît louche. Si on veut gagner des followers, va falloir qu'on mette le doigt sur des trucs bien dégueulasses. Pourquoi on n'en arrange pas, plutôt? Si on se fait choper à mentir, DeadSec va perdre toute crédibilité. Vous en faites pas, s'ils ont chié au lit, je retrouverai les draps sales. Et on remercie Marcus pour sa super métaphore. C'est cadeau, que du bonheur.
S'ils croient que je vais accepter encore un double shift, ils peuvent aller se faire foutre. Non mais c'est clair. Je lui ai dit en plus. Van. Ok les gars, on a un attaque. Allez, tire. Mais putain. Ah ouais, fallait que je vise en fait. Allez. Oh, monte. On s'en bat les couilles. Oh là, ça va être long ça. Allez. Laisse tomber, rends-toi. Sergent, la cible a arrêté. Ah putain, je me trompe de. Putain, mais prends tes balles! Putain! Rends-toi, sans faire d'histoire! C'est. Doucement. Je me mets à couvert! Je me trompe de bouton, le clavier, merci! Voilà, c'est ce que je veux. Le clavier, merci, hein. Merci pour le clavier, hein, parce que putain. Ah, je suis en fuite. Bon, ça va. On va attendre ici tranquillement. Le clavier. Et franchement, les touches sont un petit peu. Blah, caca, hein. C'est un petit peu caca. Bon, voilà. Allez, doucement. Oh oui, cette bagnole. Oh oui, je veux cette voiture. On a tué tout le monde. Oh my fucking god. Oh wow. Ok. Siska va pouvoir nous aider. Il est dans la merde jusqu'au cou avec l'église. Ils ont même prévu une audition d'urgence. Une audition? Ils veulent son argent? Bah évidemment. Mais là, c'est carrément autre chose. Ils se branchent à des appareils électroniques chelous et ils jouent aussi les uns sur les autres. C'est trop mignon. Siska attend un mec pour l'audition, mais c'est moi qu'il va trouver à sa place. T'es sérieux, là? Tu vas le remplacer? Carrément! Déjà, faut que je retarde l'audition. Le vrai auditeur va recevoir un coup de fil de Jimmy Siska. Yes! Les gars, faut trop que vous voyez son imitation de Jimmy Siska. C'est une tuerie! J'ai pas le temps, là. On fera ça plus tard. Ouh. Allô? Jason,
On m'a dit que tu venais pour une audition aujourd'hui. Jimmy ! Ouais, tout à fait. J'étais sur le point de partir. Comment ça va ? Pas top, justement. Je crois que j'aurais pas dû manger mexicain hier soir. Mon estomac se venge sur moi. Et franchement, c'est pas beau à voir. Ah ! Ok, ouais. Je vois le genre. Mon cul, c'est la vidange de l'extrême. Oui, oui, j'avais compris. On peut reporter ? Ouais, ça m'arrangerait. En attendant, je prends des cachets. Je te rappelle dans pas longtemps. Promis. Alors, ça marche ? Ça marche. Prends bien soin de toi, Jimmy. Compte sur moi. Wouhou ! Mission accomplie, voilà, bon, c'est fait. Ah, attendez, je me gare et on... Oh là ! 27 000 followers en plus. Bon, allez, go. On va aller interroger Jimmy Siska. Objectif. Interroger Jimmy Siska. Briefing, DedSec, une fausse audition avec Jimmy Siska pour obtenir des informations. Pouvons nuire à New Dawn. Oh là. Ok, let's go. On y va avec la grosse voiture. Poke 001. Énorme. Poke 001. En tout cas, elle freine bien celle-là. Ah ouais. De récentes fuites d'emails confidentiels ont eu des conséquences pour le moins inattendues pour les... Ah, je veux pas voir ça. Ça m'énerve. Salut Ghoul, la forme ? J'ai réussi à te récupérer des fringues de New Dawn. Avec ça, tu passeras inaperçu. Ouais, merci mec. T'inquiète, fous-leur la misère. Oh, dis donc ! Ah, ça fait plaisir ! Oh là là, mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors ? Ouais ? Bonjour, je suis Jason Lowell. Je suis ici pour votre audition. Ah oui, Jason Lowell. Vous êtes très fort, il paraît. Allez-y, entrez. Merci de me recevoir, vraiment. Asseyons-nous. Alors, et si on s'y mettait ? Mes sources m'ont dit que vous aviez formulé quelques doutes à propos de l'église. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Des doutes, c'est un bien grand mot. Disons que je suis un peu moins inspiré qu'à une certaine époque. Jimmy, n'ayez pas peur. Allez. Vous pouvez vraiment tout nous dire. Vous avez raison. Allez, lâche-toi, mon gars. Il boit dans le verre et ce okay. Verre se vide pas, quoi. Ok, il y a certaines rumeurs à propos de cet endroit où on emmène les membres de l'église quand ils ont des problèmes. Et ils n'en reviennent pas avant un sacré bout de temps, quand ils reviennent en tout cas. Je suis au courant de ces rumeurs et vous savez quoi ? Rien de tout ça n'est vrai. Mais c'est tout ? Je vais pas avoir d'ennui ? Pour avoir dit la vérité ? Non. Merci infiniment, je vous promets que vous n'aurez pas à le regretter. Écoutez, juste une dernière chose. J'ai vraiment envie de creuser cette histoire de rumeurs, alors vous savez où ce camp imaginaire est censé se trouver ? J'en sais rien, et j'espère ne jamais le savoir. Est-ce qu'il a un nom, alors ? La Chambre Rouge. Il l'appelle la Chambre Rouge. Oh. Oh, et Jimmy, une dernière chose. Vos 5 derniers films étaient vraiment à chier, alors essayez de faire mieux. Allez, gardez la pêche. Ciao. Et le mec, il s'en va. Allez, ciao, mon... Ciao, mon pote. Oh, ma voiture est toujours là. J'espère que c'est ma bagnole. Bon, je sais qu'on va pouvoir se faire New Dawn, mais il y a quelque chose qui cloche. Jimmy Siska a peur d'un truc appelé la Chambre Rouge. Jimmy Siska dans la Chambre Rouge. Apparemment, ce truc, c'est une espèce de centre de désintox où ils envoient tous les membres de l'église qui leur posent des problèmes. Et ceux qui y vont, bah, parfois, ils y restent toute leur vie. S'ils kidnappent vraiment des gens, c'est notre meilleure chance. J'ai aucune info là-dessus. Tu veux que je me renseigne ? Non, je gère. Merde. Allez, faut aller par où ? Miranda. Ouais, c'est moi, Marcus. Marcus ? Holloway ? Comment vous avez eu ? J'avais oublié. J'ai besoin d'une info. C'est au sujet de New Dawn.
Ça vous dit quelque chose, la chambre rouge? Miranda? Je vous envoie une adresse. Retrouvez-moi là-bas. Ah. J'ai juste besoin d'infos. Oh là là! Ah ouais, si on prend une bagnole, ça fait des gros dégâts. Allez, on va aller voir Miranda. Let's go! Ah, et même des petits tramways et tout. Oh là, le retour de flamme là. Oh, motherfucker! Les petits retours de flamme. Ça pétouille, hein! Ça pétouille! Oh oui, le motard! On y va à fond. Pas avoir de flic à notre trousse. Non! Oh là, les dégâts que ça fait, quoi! Oh merde, c'était un flic! Oh non! Mais non, mais je l'ai pas vu! Il a mis la main sur certaines de nos données. Merde, où est-ce qu'il est? À bord d'une caisse, il file à pleine balle. Et Marcus, il y a quelqu'un à ses trousses. Je crois qu'un autre veut savoir ce qu'il sait. Je me chope une caisse rapide et je l'attrape le premier. Marcus, le hacker s'éloigne. Il faut que tu te dépêches. Ouais, je suis dessus. Rangez-vous sur le côté! Il a quitté la route! Putain, faut qu'on arrive, ce mec! Allez, hop! C'est bon, on n'a pas de flic. C'est bizarre comme truc. Alors, c'est quoi votre problème? What? C'est nous le problème d'après Newton. Travesti? Dead sec. Je le savais. J'ai quelques amis qui rêveraient de vous envoyer en prison. J'ai pas peur de me battre, et vous non plus à une certaine époque. Je vous demande pardon. Vous aviez pas tellement peur de vous attaquer à Newton, si je me souviens bien. Mais bon... Je comprends. Vous êtes au conseil, vous êtes importante. Non. Ne venez pas me sortir que je suis une vendue maintenant. Ces ordures détruisent des vies jour après jour. Ils sont allés jusqu'à publier des vidéos de mes opérations. Sauf que voilà, j'en ai rien à secouer. J'ai rien à cacher, moi. Mais vous avez raison. Je suis au conseil maintenant. Je ne peux rien faire. C'est pour ça que vous m'avez demandé de venir ici. Vous avez besoin de moi. On a chacun besoin de l'autre. Ouh. Mais surtout, j'aime finir ce que j'ai commencé. Première chose, n'allez pas croire que New Dawn est une église. C'est une organisation criminelle. J'ai examiné les dossiers de toutes les propriétés qu'ils possèdent dans la baie et il y en a une qui cloche, là-bas. Elle est indiquée comme centre éducatif. Sauf que les portes sont verrouillées, personne ne répond et il y a de la sécurité partout. D'après vous, est-ce que ça ressemble à un centre de formation? Non, plutôt à un centre de déformation. Je vais rester ici. Vous devriez aller faire un tour. Oh oui! Let's go! On va se mettre bien! Merci Miranda. Miranda, avec une voix d'homme. Une voix de papa et tout. Cette voix de papa. T'es allé voir Miranda? Ouais. On pense que c'est ici, mais on sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Par contre, il cache forcément quelque chose. Je vais voir si je trouve un PC, histoire de fouiner un peu. Ok. Il va doucement. Vous êtes ici par choix. En décidant de cheminer avec New Dawn, vous nous avez confié votre bien-être spirituel. Votre esprit est troublé. Laissez-nous vous aider à retrouver la voie. Ok. Regarde là. Mais nous pouvons vous aider à retrouver la voie. Entendez la vérité. Laissez-vous
Oh, what the fuck? Putain, je l'avais pas vu, lui. Ah, putain. Ça y est. Et voilà, c'est que ça commence. Ah, putain. Oh putain, je fais de la merde. Je fais de la grosse daube. Désolé. T'es allé voir Miranda? Ouais. Merci la manette. Je pense que c'est ici, mais on sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Par contre, devrais faire quelque chose. Plus. Je vais voir si je trouve un PC. Mais au clavier c'est pareil, j'ai vraiment trop de mal. Ce que c'est pour se mettre à couvert, le C il est un peu loin. Putain, le garde, il a spawné derrière moi, quoi. En décidant de cheminer avec New Dawn, vous nous avez confié votre bien-être. Allez. Votre esprit est troublé. Laissez-nous vous aider à retrouver la voie. La vérité a toujours été depuis l'aube de l'humanité. Mais l'homme a choisi de l'ignorer jusqu'à aujourd'hui. Ayez foi et vous pourrez recevoir cette vérité. Cherchez la clarté et vous obtiendrez la connaissance. Faut que j'aille là-bas. Vous êtes ici par choix. En décidant de cheminer avec New Dawn, on voit pas grand-chose. Votre bien-être spirituel, votre esprit est troublé. Laissez-nous vous aider à retrouver la voie. Comment ça renfort appelé? Mais what? Mais putain! Allez! Mais what the fuck? Putain, les mecs, ils sont chauds du slip à monter les murs et tout! Wow. Mais les mecs ils sont trop. Oh mais non, mais non, mais non. Oh mais c'est quoi ce délire? Les mecs ils sont trop chauds du slip à monter les murs. Marcus, ils font des allers-retours sur les murs, c'est un truc de malade quoi. Pas vraiment sur quoi on va tomber. Par contre, ils cachent forcément quelque chose.
Je vais voir si je trouve un PC, histoire de fouiner un Pourquoi peu. Pourquoi j'appuie n'importe quoi? Oh là. Bon, on va rentrer par la porte d'entrée, hein. Oh mais non, t'es sérieux. Oh mais les mecs, c'est des chauds du slip. Mais what the fuck, mais putain, cache-toi correctement. Allez! Oh mais putain! Mais non! Ah merci le clavier quoi! Putain, j'ai vraiment du mal. Hein. Cet épisode va être très long, les amis. Hein. Marcus, cet épisode. Oh, oui, je connais. Ouais. On pense que c'est ici. Il y a trop de monde! On sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Par contre, il cache forcément quelque chose. Je vais voir si je trouve un PC histoire de fouiner un peu. On va commencer par lui alors. La vérité a toujours été claire depuis l'aube de l'humanité, mais l'homme a choisi de l'ignorer jusqu'à aujourd'hui. Ayez foi et vous pourrez recevoir cette vérité. Cherchez la clarté et vous obtiendrez la connaissance. Allez, bouge de là. Vous êtes ici par choix. En décidant de cheminer avec New Dawn, vous nous avez confié votre bien-être spirituel. Votre esprit est troublé. Laissez-nous vous aider à retrouver la voie. Hein? Non. La vérité a été... La concentration, les mecs. Je parle pas trop, désolé, parce que c'est la grosse concentration.
tas de ferraille. Mais putain, mais c'est pas vrai. Les mecs, ils sont tellement chauds du slip, sa race. Ouais. Ne te trompe pas. C'est lui qui a la clé. Peut-être qu'il faut que je sois en fuite. Ah non. Oh GG. Il y a du fric là-bas, on va aller le chercher. Je suis en fuite, c'est bon. Allez, avance. Ça, je commence à avoir mal au petit doigt, dis donc. Hein. 4790. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ah merde, je me trompe de bouton. Bon, après plusieurs morts. Jimmy Siska. Eh ben voilà, j'avais raison. Oui, Marcus. Je suis au bon endroit et ils l'ont bien amené ici. Si j'arrive à le faire sortir, vous pourrez le mettre en lieu sûr. Comptez sur moi, je serai prête. Oh, tu seras prête. Vous avez pas le droit. C'est moi qui l'ai faite, cette église. Merde. Qu'une putain de secte avant que je vous fasse connaître. Jason ? Je m'appelle pas Jason et je bosse pas pour Newton. Faut me faire sortir d'ici, mec. J'ai rien à faire là. Barrez-vous, allez. D'accord, d'accord. Oh là là. Brrrr. Miranda, Jimmy Siska se dirige vers vous. Ok, et vous ? Je m'en sortirai seul. Assurez-vous qu'il lui arrive rien. D'accord. Se casse. Allez, bim. Y'a pas ma voiture? Non, y'a pas ma voiture. Bon, ben voilà. Nul, mission nulle. Du fail. Toujours du fail. Marcus, Jimmy est en sécurité. Merci, Miranda. Non, c'est vous qui avez tout fait. Il veut vous parler, je vous le passe. Marcus, c'est bien votre nom. Je veux cramer tous ces fumiers et je sais pas où commencer. Retrouvez-moi devant le temple de Newton. Non, mec, il faut porter plainte. On vient de prouver que l'église séquestre des gens. En plus, j'ai tout filmé. On va diffuser la vidéo au monde entier et ça va être bon. Non, non, non. Je peux vous emmener au cœur de l'église. Les reliques sacrées. La source originelle. Ah, ça, c'est une offre que je peux pas refuser. On se retrouve là-bas. Bon, ben voilà. Pour cet épisode, l'épisode du fail. Putain, on fera là l'autre mission. On fera l'autre mission. Je me pose. Ça va s'arrêter d'autres. Une petite vue digne de ce nom sur le boulevard. Allez. Hey, comment va la start-up ? Allez, sur ce les amis. À la fois prochaine. À l'épisode prochain, je veux dire. Et puis, portez-vous bien.
Ciao ciao. Au revoir.